Merci Je t'entends Rémi. parfaitement. Parfait, merci Rémi de nous accorder un peu de ton temps. Donc, j'étais en train, dans le conseil de lecture, de parler de ton livre Le Vieux Témoin. Et je disais que ce qui m'avait intéressé, c'était l'aspect transmission et aussi l'aspect espérance pour la jeunesse. Et même, j'avais été jusqu'à dire une sorte d'appel à résister à la résistance. Est-ce que tu pourrais nous dire la genèse un peu de ce livre qui est particulière? Et est-ce que, en l'écrivant, tu as pensé à ces deux choses-là, ou c'est des choses qui sont venues pour le lecteur? C'est un texte qui est né il y a presque 10 ans maintenant. Je l'ai écrit, je me trouvais aux États-Unis à l'époque de son écriture. Et quand on se trouve à l'étranger, bah souvent la mère patrie nous manque de façon plus aiguë encore. Et j'ai voulu mener cette réflexion sur la France, sur la vie, sur le regard qu'on porte sur sa vie au moment où elle se termine. Et comme à l'époque, j'étais déjà habité par la conviction que notre pays n'allait pas bien, mais assez naturellement, ces thématiques de l'engagement, de la France, de ce qu'elle a de singulier à apporter au monde, ont trouvé une place dans ce texte, donc le vieux témoin, qui est un texte de transmission. D'une génération à l'autre aussi. Et je pense que il ne pouvait pas en être en réalité autrement. Le personnage principal, Antoine, même s'il l'a pas vécu directement parce qu'il était assez jeune, mais finalement est le fruit des drames du XXe siècle. Et il appelle donc son petit-fils Mathias, auquel il s'adresse, à être à la hauteur des défis du 21e. Alors, comme c'est un roman, on va éviter de tout raconter, mais comme je le disais avant qu'on s'entretienne, c'est vraiment un roman dans le sens où le personnage principal est un personnage vraiment romanesque. C'est-à-dire que ça méritait d'écrire un texte romanesque sur ce personnage, mais on peut quand même parler de ce qu'il y a autour. Quels ont été, parce que tu avais à peu près un peu moins de 20 ans, si je ne m'abuse, quelles ont été tes références littéraires pour te mettre à écrire toi-même de la littérature, ce qui est quand même toujours un peu impressionnant, surtout pour un jeune. Alors à cette époque, quelles étaient mes références littéraires? Bon, j'ai beaucoup lu depuis. J'avais un petit peu lu avant. C'est vrai que moi, tout jeune, la figure d'Antoine de Saint-Exupéry a été assez marquante pour moi. Alors je n'aurais pas la prétention d'en avoir tiré quelque chose pour cette œuvre en tant que telle, si ce n'est une inspiration et vraiment une interrogation contemplative qui est permanente chez moi et que j'ai retrouvée chez Antoine de Saint-Exupéry. Donc en ça, il y avait une forme d'écho, non pas dans l'œuvre évidemment, j'aurais pas cette prétention, mais du moins dans la démarche, je pense, d'essayer d'identifier quelque chose de l'ordre de la permanence en fait dans l'existence, puisque l'existence, elle débute, elle se termine, d'autres lui succèdent, et de trouver finalement dans cette espèce de succession des éléments de permanence dans la relation de l'homme à la nature, dans l'interrogation par rapport à Dieu, par exemple, dans le questionnement sur la mission qu'on remplit ici-bas. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut aussi trouver chez Saint-Ex. Et en ça, je dirais qu'il a été une source un peu d'inspiration. Postérieurement à cette écriture, je me suis beaucoup plongé dans Romain Gary, et dans lequel j'ai retrouvé aussi des questions un peu similaires. Ce qui est intéressant aussi dans ton livre, c'est que finalement, on a quasiment toute l'histoire du XXe siècle qui va se dérouler, qui va être expliquée à ce petit-fils, et qui va pouvoir puiser dans cette histoire pour, on l'espère pour nous tous et pour nos enfants, ne pas tomber dans les mêmes abîmes finalement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le livre, sachant qu'encore une fois, comme c'est un roman, je ne voudrais pas en dire trop.
pour justement ne pas gâcher la lecture. Est-ce que tu penses que c'est un livre surtout à faire lire par la jeunesse ou tu verrais ça vraiment en lecture pour tous? Comment tu vois les choses? C'est un jeune qui se projette, puisque j'avais 20 ans à l'époque, qui se projette dans la fin de vie. Ça fera écho à peut-être beaucoup de questions de jeunes, mais je pense que les moins jeunes trouveront aussi un intérêt comment dire, à fréquenter ces questionnements d'une personne de 20 ans sur la vie. Donc, en tout cas, je ne l'ai pas écrit pour la jeunesse spécifiquement. Je pense que les jeunes. Enfin, déjà, je l'avais écrit à l'époque pour moi-même, sans véritablement penser qu'il serait publié d'ailleurs. Mais je pense que tout le monde pourra y trouver quelque chose. Peut-être que quand on est dans le grand âge, certains aspects paraîtront maladroits. Mais c'était aussi l'intérêt de l'exercice, c'est-à-dire. En soi de comment dire d'illustrer ce qu'on peut penser du grand âge quand on a 20 ans. Moi, en tant qu'éditeur, ce qui m'avait intéressé aussi, et c'est la première fois que j'édite un livre pour lequel je fais de la somme, c'est que je voyais bien une passation en fait avec ce livre, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer quelqu'un d'une soixantaine d'années le lire et se dire, bah, tiens, mon fils, il a 30 ans ou il a 25 ans, bah, je vais lui passer le livre, peut-être que ça va lui parler, peut-être que des choses que j'arrive pas à lui dire passer par le livre, etc. Et même dans le sens inverse, un jeune pourrait se dire, bah tiens, j'ai 20 ans, mais mon père ou mon grand-père qui ont 30 ou 60 ans de plus, bah, peut-être que ça va aussi les intéresser. Donc ce côté un peu transgénérationnel m'avait beaucoup intéressé. Moi, j'avais beaucoup travaillé là-dessus à l'époque. Et voilà, c'était aussi pour ça, entre autres, que j'étais fier d'éditer ce livre, donc Le Vieux Témoin, disponible dans vos librairies préférées.